Salutations, ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour un épisode toujours, toujours sans dormir et toujours pour choisir cette fameuse Cid. Mais les Shadict n'arrêtent pas d'arriver, je vous disais hier qu'il n'y avait plus que trois maps, et ben voilà, il y en a encore quatre. <laughs> Mais tant mieux, vous me faites plaisir, merci à tous ceux qui me rejoignent. Euh, c'est très très plaisant, euh, c'est aussi euh, le but de cette série, c'est de vous mettre en évidence, et, euh, et donc euh, bah, voilà, plus vous serez nombreux, plus ce sera rigolo. Euh, je vais par contre plafonner à 20 maps un hein, maximum, parce que sinon on va jamais s'en sortir, puisque vous arrivez toutes les, toutes les semaines un petit peu plus nombreux. Et donc euh, ce serait sans fin de vous présenter des seeds. Euh, donc là on doit être à 15, euh, voilà, je ne prends plus que 5 Olshadik pour les maps. Après j'en prends autant que vous voulez pour tout le reste, mais pour les maps j'en prends plus que 5. Voilà, et euh, bah donc vous n'avez plus beaucoup de temps parce que, voilà, on est, euh, si je ne m'abuse, lundi, et donc il reste 4 maps après, donc ça nous fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Euh, donc ce week-end, on va pouvoir passer au vote. Voilà, euh, donc euh, sauf changement de dernière minute, euh, je ferai aussi une vidéo, je pense, samedi ou dimanche, euh, de récap de tout ça pour vous vous savez pas obligé je vais vous retaper toutes les maps parce que je vous rappelle que lors du vote vous ne voterez pas pour votre préféré mais vous voterez pour chaque map pour dire si vous l'aimez bien, pas bien, moyennement, pas du tout ou un peu. Voilà et l'algorithme va se charger après de nous faire le micmac pour calculer quelle est vraiment la map que vous préférez de cette façon-là. C'est une méthode de vote que je trouve beaucoup plus saine. Parce que quand on vote pour sa préférée, ça veut dire que des fois on laisse passer la deuxième, alors que la deuxième, on, elle était presque presque préférée. Ça se joue à pas grand-chose dans votre cœur. Et donc euh, voilà, avec le vote majoritaire, vous avez la possibilité de donner ce que vous ressentez pour chaque map. Et euh, c'est l'algorithme qui se charge après de compiler les ressentis des uns et des autres, et de nous sortir celle qui semble être obtenir l'adhésion la plus favorable. Non pas la préférée, mais la plus favorable. Voilà, moi c'est un, une méthode que je soutiens IRL et euh, j'avais envie de la tester avec vous, c'est l'occasion. Allez, bref, trêve de blabla, on est parti pour une nouvelle map. Une nouvelle map, et eh bien hier on était chez Jazz. Et eh bien un de ses copains de longue date, euh, ils il discutent régulièrement tous les soirs ensemble sur notre Discord. Si vous voulez les rejoindre, ils seront ravis. Et eh bien, créer un nouveau monde. Il s'agit du copain de longue date aussi, Stellman. Hop Merci à toi Stellman, tu sais tout le bien que je pense et euh, donc euh, créatif et on va lui faire plaisir à Stenman parce que j'ai cru comprendre que si on met pas la majuscule OS, c'est un petit peu plus sympa selon lui. Donc on va pas mettre la majuscule OS, on va voilà, on va la laisser là mais pas là-bas. Et on va faire tout de suite créer un nouveau monde et découvrir ce qui se passe. Let's go. Et ben on arrive au sommet d'un boulot. Ah c'était peut-être ça que tu trouvais rigolo Stellman, c'était d'arriver au boulot. Euh, <laughs> c'est peut-être ça. Alors déjà non, c'est visiblement effectivement on est dans une forêt là, oh, avec une belle petite rivière derrière, et avec un beau relief derrière moi. Euh, c'est une Mido, je pense, avec quelques grottes euh, en son sein. Euh, donc déjà là c'est bien sympa. Euh, si on va de l'autre côté, on distingue un petit bout de jungle, un autre relief là juste là, mais là on va surtout voir ma tête, et un gros bout de jungle de l'autre côté. Allez, on repasse à la première personne pour voir ça un peu mieux. Et comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, ça fait presque 15 jours que ça dure. Il va être temps quand même qu'on se décide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Un de ces jours, vous vous demandez si je sais compter plus loin que 25. Alors déjà, super sympa parce qu'on a du boulot, du chêne noir, de la jungle. Du boulot encore, un peu de chêne ici, euh, je vois pas de sapin, mais en cherchant bien, on devrait en trouver. Donc côté essence de bois, une map relativement sympa. Et puis bah, tout de suite du bambou, euh, quelques reliefs, une très belle rivière ici. Euh, voilà, cette rivière-là est vraiment très sympa. Et puis bah, on va aller voir un petit peu quand même. Hein. Je vois une petite abeille. J'aime bien être accueilli par une petite abeille comme ça, ça fait toujours plaisir. Ah oui, c'est bien sympa de ce côté-là, effectivement. Euh, je ne sais pas si c'est la map a eu Stellman d'ailleurs, parce que ça se trouve il l'a fait avec l'ancienne génération. Je vois un portail en ruine là-bas. Donc une belle méga jungle. Bonjour les lags, mais euh, <laughs> une belle méga jungle. Là j'ai vu un petit recoin, là je vais aller voir d'un peu plus près. Ce petit recoin, on va enlever les petits blocs qui volent là quand même. Ça, c'est pas beau, hein. c'est pas beau. Il en reste un peu, dans... malgré les améliorations qu'on fait Mojang, on a encore quelques petits, euh, petits bugs comme ça de, de blocs volants. Euh, donc là, euh, alors c'est très forestier, vallonné et rivière, hein, mais j'aime beaucoup. Euh, effectivement, elle est sympa cette map. Je ne sais pas ce que valait l'autre avec la majuscule, mais celle sans la majuscule est sympa. Et puis bah, dès qu'on s'écarte un peu, on voit qu'il y a un peu de relief là au milieu d'une plaine, a priori. Voilà. Euh, Je sais pas s'il y a des choses à aller voir vite fait, sans trop s'éloigner non plus. Ok, donc un petit bout de plaine par là, on distingue un bout de savane tout au fond, mais je ne vais pas trop non plus spoiler. Hein. Comme d'habitude, j'essaie de m'écarter, mais pas trop. Donc euh, le plus intéressant ça me semble être ce bloc là. Waouh Avec un, un... waouh <laughs> Encore un de ces trous dont la 1.18 a, a le, le secret. Euh, regardez, alors ça c'est magnifique quand même. On a le trou, et pour la cohérence du trou, regardez, il y a un pilier qui vient soutenir ici. Voilà, ça c'est dix-huit quoi. On n'a plus des, des trous pas possibles avec des trucs qui flottent, mais non, on a, on a un peu de cohérence. Quoi. Donc ça c'est cool. Euh, des animaux. Euh, vraiment l'accès à l'eau là est magnifique. Magnifique avec cette plaine là qui arrive. Et hop, ce début de, de Delta Rivière là, paf, qui rentre dans le relief. Euh, vraiment super sympa. On va longer un petit peu par là, on va faire le tour quand même de cette Mido. Voir un petit peu ce qu'il y a par là. C'est très original aussi cette rivière-là qui longe l'océan. Euh, ouais, alors là, pour, pour le coup, on imagine très bien construire quelque chose, là, sur cette euh, péninsule, l'île. <laughs> c'est avec, euh, ouais, un truc énorme. Euh, voilà, une cité fortifiée, en fait, au-dessus. Et puis là, un port qui euh, utilise le bras d'eau pour faire l'accès. Ouais, c'est, ouais, voilà, les idées, c'est reparti. Ça, ça dépote tout de suite. Et puis là, regardez, comme d'habitude en 1.18, on tourne un peu le regard et bam, une autre grotte. Avec les arbres qui ont commencé à pousser dedans. Oh là là, puis encore de la folie là-dessous. Là oh là 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 là. là, Ah, puis apparemment, il y aurait un peu de montagne. Je vois du blanc là, un peu de neige. C'est pas les grands massifs, mais, euh... mais encore une map magnifique hein, au niveau Inspi. Euh, vraiment, les... moi, ce qui m'épate, euh, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment les cours d'eau. J'avais vu sur des vidéos d'Aurélien Sama qui travaillait beaucoup cette cohérence dans les cours d'eau pour pas qu'ils soient coupés par un... une caverne ou des choses comme ça. Et euh, ben, je trouve qu'ils ont bien réussi leur pari quand même. Euh, vraiment, les cours d'eau les... se, se marient très bien avec le relief. Je trouve ça vraiment fun. Voilà, donc on va aller voir un tout petit peu par là. Voilà, on continue encore sur du relief assez sympathique. Pas beaucoup de sapin, a priori. Le sapin, il faudra commercer avec des gens plus loin. Mais c'est tout à fait possible. Et par contre, cette forêt de boulot dans le relief, et ben, voilà, les forêts de boulot qui étaient casse-bonbon avant. Commence à avoir du cachet, alors d'autant plus que pour la 1.19, il prévoit éventuellement de les faire grossir pour euh, bah, avoir des arbres beaucoup plus grands. Et je dois avouer que là, ça, de, ça devient tentant. Enfin, euh, de, ça va donner un autre cachet à ces fameuses forêts de boulot qui, qui n'en avaient pas, soyons honnêtes, elles n'en avaient pas du tout. Euh, je cherche le spawn, je l'ai perdu du coup à faire tout le tour là. Donc, il y avait du chêne noir. Ah, là, ça commence à laguer. Il doit y avoir de la jungle dans le coin. Ah, la jungle est là, là, le chêne noir, là, le boulot. Euh, il doit être par là, mon spawn. <laughs> mon world spawn. Alors, par contre, attention, map sans village. Donc, début un peu plus chaud. Euh, on aura beaucoup de bois. Mais on n'aura pas forcément de village. Ils n'ont toujours pas fait de village dans les forêts de chêne noire. Je pense que je me suis éloigné du spawn, en fait. Euh, parce que là je génère des chunks, <laughs> et du coup, je me suis euh, perdu, je ne, retrouve même, je ne vois même plus l'amidon, magnifique cette rivière aussi, regardez, ce, ce relief dans, la, dans les rivières, vraiment c'est des rivières toutes profondes, ça change totalement de ce qu'on avait avant quoi, avant c'était des pauvres filets d'eau, où il fallait faire du terraforming à chaque fois, euh, donc là on est quand même sur du vachement mieux quoi. Ah oui, je voyais deux petits bâtons dans. Ah bah si, il y a un petit village dans la savane, tiens. Je voyais deux petits bâtons dans le sol, c'est un. Après le portail en ruine, c'est un bateau. C'est une épave. Alors j'ai retrouvé l'océan en bord de jungle, donc ça doit être par là le spawn, logiquement. La savane, je la voyais au loin. Donc. Par contre, je ne suis pas arrivé dans la jungle, donc euh... ça doit peut-être être plus par là. Je voyais la jungle au loin, mais j'étais pas dans la jungle. <laughs> Alors, cours d'eau. Tadadam. Ok. Bon, bah, je crois que je suis complètement paumé. <laughs> Autant le dire clairement. Euh, je crois que j'ai perdu le spawn. J'ai complètement perdu le spawn, à moins que. Comme je ne vois plus le relief qu'il y avait derrière moi, je suis arrivé dans les boulots pourtant. On va laisser charger un petit peu. Ouais, il y avait bien la jungle là, la jungle que je distinguais, pourtant ça devrait être par là. Ah, ce relief là, ce reste le bon. Mmh -hmm. Trop près de la jungle peut-être. Je ne vois pas mon petit pilier. Voyez-vous mon petit pilier qui traîne on n'était pas dans la forêt de boulot, je crois. Hein. On était juste à côté. Oh, bah si, c'est bien le relief du début, ça. Hum, hum, hum. Bon, c'est pas très grave, hein. <laughs> en même temps, on va pas. Ah, bah si, ça y est, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Il est là, il est là, il est là, il est là. Eh hey. Ah, bah j'étais plus près de la jungle que je ne pensais. Elle était juste derrière, en fait, mais euh, comme je suis arrivé dans le côté euh, micro-boulot, là. Et j'avais pas vu que la jungle était juste derrière moi. Et effectivement, on arrive bien dans la forêt de bambou et tout. Même ce pic là est intéressant d'ailleurs, juste au spawn. Ça, ça ferait une bonne, euh, un bon petit lieu de camping au départ. Cette petite euh, colline, on va dire. <laughs> Avant éventuellement d'envisager d'investir par là, si vous le voulez bien, parce que euh, voilà, je vous rappelle, les viewers auront leur mot à dire sur ce qu'on va faire dans cette découverte. Voilà, enfin sur les grandes lignes, hein, on, on va jouer hein, sans vous attendre quand même, parce que sinon hein, ça peut durer longtemps, avant d'avoir l'avis de tout le monde. Et ben voilà, en tout cas c'était la map de Stellman. Il y a un, un fort potentiel, surtout dans le bloc derrière moi, là et puis derrière on voit plus mais il y a l'océan avec ce petit bras là. Là, ça me donne pas mal d'idées. Donc je ne sais pas si c'est les idées qu'avait eu Stell en testant son propre pseudo. Vous pouvez faire ça aussi chez vous, n'hésitez hein, pas. Vous lancez une partie en snapshot, vous tapez votre pseudo. C'est toujours rigolo de voir un peu la génération aléatoire qui va naître de notre pseudo. Moi je trouve ça fun. C'est un moyen rigolo de découvrir plein de sides. En attendant je vais vous dire à demain, si vous le voulez bien. Évidemment, portez-vous bien, c'est l'essentiel. Ciao ciao